Ceci est un message pour tout le peuple. Béninois, tous ensemble avançons les mains dans les mains sur le chemin de la réussite. Voici un champion de l'expression culturelle théâtrale. Oui. Qui viendra sur le podium, mais en duo. Ouais. En duo, ce jeune homme, on l'a appelé dans la rue et sur le podium, le Baobab. C'est Monsieur Fidèle Anato. Et très bientôt, le duo va représenter le Bénin à un festival. Oui, ça, ce serait bien sûr à Nice, en France. En France. Et ils vont représenter notre pays, le Bénin. Ouais. Puisque c'est un duo, il sera bien sûr accompagné par Monsieur Guy Akpona Heto. Voici le compte avec le duo Akonagbeto Anato, le Baobab. Merci de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Les graines de compte semées par le père du père de mon père. Dans les entrailles de la terre imaginaire ont germé déjà. Nous entendons le premier bourgeon se laisser bercer par un chant merveilleux. Abedeko, Hamanaïwe. Koku Abedeko, Hamanaïwe, Abedo, Renoko, Wemanaïwe. Oui, nous, oui, major, ben, pita ton noué, assez blotté, dit, oui, des noix n'a qu'un. Oui, nous, oui, major, ben, non, oui, nous, coton, assez blotté, dit, oui, des noix n'a qu'un. Tu n'étais pas né, on te la raconte, écoute et pratique, tu seras sauvé. Tu n'étais pas né, histoire, on te la raconte, écoute et pratique, tu seras sauvé. Oui, nous, oui, major, ben, pita ton noué. Il y a longtemps, faux Volivoué, le village de nulle part et de partout. À faux Volivoué habitaient des gens simples, paisibles, travailleurs. À faux Volivoué, tout le monde avait la bonne santé, la mort n'existait pas, la justice régnait, il y a de cela très très longtemps. Un jour, une jeune femme du village mit au monde un enfant, une ravissante petite fille. Elle avait de grands yeux, des joues rondes creusées de fossettes. 7 jours après sa naissance, une grande fête fut organisée et elle reçut à son baptême le prénom de Maya. Attends, mais oh, monsieur, nous, monsieur, oh, mais oh, car nous sommes pas bon, nous sommes pas bon, nous sommes pas bon, nous sommes pas bon, nous sommes pas bon. Ah, oh Dieu, mi waya basa, mo mi nana inko vie. Oh tout le peuple unanimement, les jaunes, les rouges, les blancs, les noirs, ont choisi le prénom de Maya. 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 L'être. L'être. Naître est une chose, mais être en est toute une autre. Maya, le complexe processus pour être. De partout, on venait pour admirer le nouveau-né, le beau bébé. Les gens de la contrée disaient, le plus beau bébé de la terre est né. Né doit miner, il a non quoi quoi bon. Oh 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 oh
Oh, le plus beau, oh, bébé, oh, oh, oh bébé de la... Né, 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 était né. L'enfant grandissait. Sa jeune maman la gardait constamment dans ses bras, enveloppée dans de petites couvertures de cotonnade. Maya grandissait 5, 6, 7, 8 mois. Personne ne fut autorisé à la prendre dans ses bras, même pas le père. Hein? Même pas le père. Zangbeta, ça fait ça. Et le roloto. Et chez nous, la sagesse dit que nous ne pouvons cacher sa nudité à la jarre de la douche. Et la même sagesse dit que, à force de fouiller dans les excréments du fou, on finit toujours par tomber sur des questions de bouteilles. La première sagesse s'adresse à la mère cachotière. La deuxième. Au père cachotier. La deuxième au père curieux. Curieux, un jour, en absence de la mère, le père prit Maya dans ses bras, constata des membres ridicules, mal formés. Maya. Le plus beau bébé de la terre était un enfant mal constitué. Le père prit peur. Oh, yé, que fitiré, l'ouïe, que. Ah, auto, et qu'on dira que c'est moi qui ai amené le malheur sur le village de Fofoli, mais allô. La mère, naturellement, n'est pas de cet avis. Elle supplia, elle pleura. Ah, auto, fitiré, je l'aime malgré son handicap. Ah, je l'aime, et pas lui la vie. Le père se montra intraitable. La même nuit, alors que la mère dormait, le père prit Maya et alla la jeter dans la grande forêt. Au réveil, au milieu de la nuit, la mère se réveilla et constata la disparition de Maya, de son père. Le père revint seul. Maman Maya comprit que plus jamais elle ne reverra sa fille Maya. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus, ne dormait plus, ne mangeait plus. Elle passait le clair de son temps à scruter le ciel. Elle espérait le retour de Maya. Un jour, fatiguée, elle décida de quitter Vovolivre, puis elle s'en alla de Vovolivre et répandre son chagrin par monts et vallées. Ainsi, le forfait du père venait d'instaurer le chagrin dans le paisible village de nulle part et de partout. Pendant ce temps, Maya, abandonnée sous un gros fromager lugubre, pleurait, tenaillée par la faim, la soif, la peur. Ses cris, ses pleurs, fit converger vers le grand arbre des animaux de la forêt. Boa, hyène, panthère, kangourou, tigre. Parmi ses fauves, se retrouvait une lionne nourrice dépossédée de ses petits. Quand elle découvrit Maya, elle s'attendrit. Contre toute attente, la lionne offrit son pis lourd à Maya. De ses lèvres gloutonnes, Maya se mit à téter. Ah, les animaux de la forêt comprirent que la redoutable lionne donnait sa protection à l'enfant de l'homme un à un. Les animaux se retirèrent. Maya était sauvée. La lionne la transporta jusqu'à sa tanière et l'éleva. Un jour, Maya, jetée dans la forêt. Un bon jour, un jeune voyageur, de passage dans la contrée, écouta, entendit une chanson. Le jeune homme, guidé par la chanson, découvrit la cabane de la jeune fille. La jeune fille qui, entre-temps, s'était rapprochée des habitations et qui a construit une cabane. Le jeune homme s'approcha de la jeune fille et lui dit... Bonjour, jeune fille, ma belle. N'aie pas peur, je me nomme Taya. Je suis un paisible voyageur, je vais de village en village et je voudrais devenir ton ami. J'accepte de devenir ton ami. Je voudrais m'enrichir de toi, bel homme. J'accepte d'être ton ami, mais tu construiras ta cabane en face de la mienne. Jamais tu n'entreras dans ma cabane. Promets-moi, mon ami, que jamais tu n'entreras dans ma cabane. Ah, bon, j'accepte ta décision, mionne. C'est vrai, le mariage est le summum d'une certaine amitié, mais l'amitié en soi vaut encore plus. Depuis ce jour, Taya le voyageur et Maya, la belle de la savane, connurent des jours heureux. Et l'histoire raconte. Que c'est terminé. Et racontez partout où vous êtes. Terminé. Anato. Terminé. Guy. Le Baobab. Maman. Je me rappelle. Merci beaucoup. La compétition organisée par Torrent Stan. Oui. Fincheng Music Festival. Merci. C'est Anato Baobab qui avait remporté le premier. Puis on va l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Tout à fait. Voici la magie des ondes. Nous avions annoncé dès le départ que nous sommes sur l'esplanade intérieure du Stade de l'Amitié.
Au moment où on faisait l'annonce, on avait encore près de 2500 places vides. Mais il a fallu ces quelques 20-25 minutes pour que ce soit plein. Et qu'on ait encore des spectateurs debout derrière. Mais vous pouvez nous rejoindre, hein, vous pouvez nous rejoindre, on est au stade de l'amitié. Et tu sais? Non, pas encore. Le gouvernement du docteur Boniayi nous a fait cadeau. Ah oui? Pour cette fête de l'indépendance, de deux grands éléments. Ah, il y a d'abord Bébé 24, notre nouveau bébé, voilà, le communicateur. La deuxième chaîne nationale. Nationale. ORTB 2, si tu veux, mais c'est BB 24. Tout à fait. Mais tout à l'heure, le chef de l'État a inauguré les tours jumelles. Les tours jumelles. Qui doivent abriter quatre ministères. Ah oui. Ah oui, en face du ministère des Affaires étrangères et de l'ORTB. Alors, c'est le fruit de la coopération entre le Bénin et la République populaire de Chine. Ça doit s'applaudir très fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et notre ministre y était. Abimbola. Ah oui, il y était. Et il est infatigable. Inlassable. Il est infatigable. Tout à fait. Alors, tonton Mouki. Oui, Jean-Louis Azé. Pour tordre définitivement le cou à la misère ambiante que nous vivons, à la souffrance du peuple, le docteur Boniayi et son gouvernement ont décidé de mettre en place le RAMU, le régime d'assurance maladie universel. Qu'est-ce que c'est? En deux, trois mots, c'est tout simplement un genre de tontine. Chaque Béninoise et chaque Béninois, si vous êtes adulte, vous cotisez 1000 francs par mois. 1000 francs par mois. Vous faites 2 mois de cotisation en observation. Vous avez votre carte RAMU, vous tombez malade. Eh bien, vous êtes gratuitement soigné. Il suffit de présenter votre carte. Mais quand vous êtes mineur, vous n'avez pas encore 18 ans, c'est 1000 francs, tenez-vous bien, 1000 francs par an que vous cotisez. C'est pas croyable, je n'ai pas entendu. Là, tu reprends, ça m'intéresse. Oui, 1000 francs par mois pour les adultes, papa, maman, les grands frères, les grandes sœurs, et pour les enfants de moins de 18 ans, 1000 francs par an. 12 mois, tu payes 1000 francs. Et quand on est malade, on présente la carte. Tu donnes la carte. On te soigne gratuitement. Gratuitement. Ça se passe encore aujourd'hui? Mais la réponse, tu l'auras à travers l'intervention de ce groupe qui va se présenter ici. Parce que ce groupe a composé une chanson spéciale pour mieux expliquer ce que c'est que le régime d'assurance maladie universelle. Universel. Tout à fait. Et c'est les artistes béninois qui se sont retrouvés pour le dire. Et nous allons leur demander de se retrouver déjà pour commencer par se mettre en ordre de bataille. Bien sûr. Mais avant, tonton Mouki. Jean-Louis Azé. Je voudrais, pendant que les musiciens, les artistes musiciens bien sûr, qui ont chanté le RAMU s'apprêtent pour nous rejoindre sur le podium, demandez également à l'orchestre qui va les accompagner de s'apprêter de l'autre côté. Mais bien avant tout cela, Jean-Louis Azé, nous sommes au 53e anniversaire. J'ai envie d'écouter une voix. Et puis? J'ai envie d'écouter une voix. En attendant que tu écoutes la voix, Jean-Louis Azé, aujourd'hui, c'est la nuit de l'indépendance. Jusqu'à 11 heures. Ah non, demain. Sur l'ORTB, c'est à zéro. Non, l'ORTB. Mais nous continuons la fête. Non, on va continuer jusqu'au petit matin. Mais demain, parle-moi du programme de demain. Tout à l'heure, demain. Ouais. Il y aura le grand défilé militaire. J'ai eu la chance d'assister à la répétition avant-hier. Oui. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. Mais attention, vous qui allez effectuer le déplacement vers cet espace de l'Étoile Rouge, c'est l'avenue des armées qu'on appelle ça, la voie qui passe devant le commissariat central et qui vient à l'Étoile Rouge. Allez-y, consommez ce qui se passe sans modération, mais attention, suivez les instructions des forces de sécurité publique. Tout à fait. Quand on vous demande de ne pas passer quelque part, respectez. Quand on vous demande de vous asseoir quelque part, respectez. Quand on vous demande de ne pas vous munir d'un téléphone pendant que vous êtes à côté de la tribune officielle, respectez.
Partout où on vous installe, respectez parce que sécurité présidentielle oblige. J'ai écouté le directeur général de la police nationale. Tout à fait. Donner des consignes. Et il disait, ne soyez pas rigoureux, mais ne soyez pas docile non plus. Attention, soyez au défilé. Venez voilà. soutenir nos forces armées. Vous aurez toutes les composantes des forces armées qui vont défiler. Vous aurez, j'ai découvert, est-ce qu'il faut dire ça ? J'ai découvert des chevaux montés par des femmes militaires. Vous allez voir ça au défilé demain. À partir, j'y étais. Entrez. Aïe, 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 aïe. Le défilé de demain, ça va être... En paire. Cousu de surprise. Tout à fait. Et tu sais... Non. les artistes vont défiler vers la fin, mais avec à leur tête, Jean-Michel Abimbola. Ah. Jean-Michel Abimbola. Et ils vont marcher militairement ou bien Jean-Michel civilement? Jean-Michel Abimbola, ils vont marcher culturellement. Ah, voilà. Ça doit s'applaudir très fort. S'il vous plaît, ministre devant et les artistes derrière. Et ensuite Jean-Michel Abimbola devant. Ouais. Cela veut dire tout simplement que cet homme de culture, il sait où il va. Nous savons ce qu'il a déjà fait pour les quelques mois qu'il a passé. Preuve à l'appui. Grâce à lui, très bientôt, le chef de l'État, je ne trahis pas un secret, mais nous le souhaitons vivement, le milliard culturel devrait être multiplié par deux ou par trois. Monsieur Zounon Marcel, Dean, j'espère, je le souhaite vivement. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons inviter le sur ministre ce de la podium. Culture. Nous allons inviter le ministre de la Culture à prendre les devants. Les artistes vont le suivre après. Voici le défilé. Monsieur Jean-Michel Abimbola, vous avez le micro. On applaudit très fort son Excellence, monsieur le ministre de la Culture. Qu'on doit continuer d'applaudir. On applaudit. S'il vous plaît. Merci. Je vous ai parlé d'un défilé, non? Nous, on a commencé notre défilé, nous, les hommes de culture, nous avons commencé. Voilà, le ministre de la Culture qui s'installe avec autour de lui les artistes et les responsables des associations de fédérations d'artistes. Je voudrais saluer mon cher ami Kiki, qui est le président de la Fédération des associations de musiciens traditionnels. Nel Olivon, le présente plus, monsieur le micro. Monsieur le ministre, vous avez le micro. Merci beaucoup. Nous allons essayer de faire très court, parce que nous ne sommes pas là pour discourir. Néanmoins, il est important, d'autant plus que nous sommes en direct sur les chaînes nationales, les deux chaînes nationales, et visibles à l'international, il est important que nous puissions passer un petit message. Mesdames et messieurs les présidents et membres des fédérations et associations d'artistes et hommes de lettres du Bénin, mesdames et messieurs les acteurs opérant dans le secteur de la culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme, honorables invités, mesdames et messieurs, population de Cotonou et du Bénin en général, permettez-moi tout d'abord d'exprimer, au nom de mon ministère, des acteurs culturels et de tous nos compatriotes qui nous suivent en ce moment, toute ma reconnaissance au gouvernement béninois et en particulier à son chef, le président de la République, Dr Boni Yayi, pour nous avoir donné l'occasion de nous retrouver une fois encore, comme il est de tradition, à la veille de la célébration de l'anniversaire de l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté internationale et de nous permettre de nous égayer au son et au rythme de nos talentueux artistes, dont je voudrais une fois encore que vous puissiez nous accorder le mérite de les applaudir. Applaudissez-les parce que c'est grâce à eux que la fête démarre sur les chapeaux de roue.
de très belle manière. Les acteurs culturels béninois me chargent de vous dire combien ils sont honorés d'être associés et invités aux manifestations de commémoration du 53e anniversaire de notre indépendance. L'honneur est d'autant plus grand qu'il est choix aux artistes d'inaugurer ce soir les manifestations festives programmées dans ce cadre, dans le cadre, disais-je, de la célébration de cette commémoration. Une fête qui nous replonge dans les instants glorieux et mémorables de l'histoire de notre pays et de la nation béninoise et ravive certainement notre foi en un Bénin uni, solidaire et prospère. Ce n'est pas un hasard de programmation, car tout le monde s'accorde à admettre que la culture rapproche les hommes. La grandeur et la richesse de notre culture, dont notre pays peut s'enorgueillir, me confortent dans cette conviction que rien n'est impossible dans notre combat contre la pauvreté si nous sommes et restons ensemble, unis, et si nous nous approprions notre culture dans toutes ses composantes. À vous, invités ici présents sur cette esplanade du Stade de l'Amitié, et vous, téléspectateurs, confortablement installés devant vos postes de télévision, je voudrais dire mes sincères remerciements pour avoir choisi de communier avec nous en cette veille de la fête du 1er août 2013. Aussi voudrais-je vous inviter, chères concitoyennes et concitoyens, à partager ce moment de souvenir dans la paix, la solidarité et l'amour. L'amour du prochain, l'amour de la patrie. Il est vrai que, comme le dit l'adage africain, là où on sème, il ne fait jamais nuit. Je voudrais donc vous convier à cette nuit de la fraternité qui précède et annonce l'aurore. Un nouveau jour, un jour de liberté et d'espérance pour notre pays. Je voudrais pour terminer remercier encore une fois le gouvernement béninois et son chef, le président de la République, Dr Boni Yayi, pour le soutien indéfectible et constant aux actions de développement de notre cher pays. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer officiellement lancer les manifestations de la Nuit de l'Indépendance, édition 2013. Vive la culture au service de la paix et du développement. Vive le Bénin. Vive l'indépendance du Bénin. Bonne fête à l'ensemble de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons permettre seulement à son Excellence, Monsieur le ministre, de se retirer. Tout à fait. Avec peut-être le directeur de la promotion artistique et culturelle, le directeur du Fonds d'aide à la culture, le directeur de l'ensemble artistique national et les cadres du ministère, SECOM, AP, AC, enfin, tous ceux qui composent le cabinet ministériel. Nadi Djougou. Depuis Djougou. Oh, on va applaudir cette dame. Merci d'être avec nous. Où est Dine? Hein? Il est là. Dine est là. C'est sûr? Il est venu à Cotonou, mais pas demandé. Ah. Le gouvernement béninois a mis les sous à travers le ministère de la Culture pour produire la chanson que vous allez écouter. Chanson arrangée, composée et arrangée par ces deux icônes. De la musique béninoise. Hagbe, le Hagbe national. Tout à fait. Et Nel Olive. Sous la direction artistique de Richmir Tota, c'est lui qui est à la console là-bas. Merci. Le directeur, le président de la Fédération béninoise des associations d'artistes du Bénin, FABEN. Tout à fait. Chers amis téléspectateurs, que vous soyez à l'intérieur du Bénin ou au-delà de la diaspora, que vous soyez ici avec nous, écoutez. Écoutez le Bénin tout entier. Le Bénin tout entier, hommes et femmes. Toronstan! Toronstan est là! Toronstan est là! Pierre Dassabouté est là. Pierre Dassabouté, viens. Vous venez devant avec nous. Ah non, Vincent Rérenou, Prince Adéoye. De toutes les façons, les réalisateurs, c'est des professionnels. Tout à l'heure, ils vont faire des PC sur tous, de gros plans sur tous. Et vous allez voir que le RAMU a rassemblé toutes les grosses cylindrées de la chanson béninoise
que ce soit au masculin ou au féminin. Richmir Tota, vas-y. Merci. Ni moi bon, Ramu est au ganze wae. Mais binichite beaux enfants, a zombie boni maglo mede wae. Dans ton garde, minoto, vous en déti, vous virez ni gan, na ou tout ni bon la rente vira. Le régime d'assurance, maladie universelle. Ramu, Ramu, pour être en bonne santé. Oh, oh. Par moi, où ta santé c'est extra et tout le peuple se porte bien. Avec Ramu, nous tentons ma yébeni, yébeni. Tu benga tu mani Ramu, benaru tu fousse, wanaru nyembe. Dora, dora, tu si a yendi, tu le fagou. Otena, bisou fagou, darmatori. Wenye kose na jime vichele ni doboe obuma deme na toto wewe
to penum to go. Do da gwe ewa num benento. Do ra mi ubra me spodo do. Tunia la mi anna. Anna foto en suru. Una la mi suwa. Ide suye suwa mua. Ramu shokonto dara, o dara fukukua, ore. Oye fuo, oye femi, o dogba fukukua. Dans ton futur, le Ramu est sûr que dès maintenant tu penses qu'il faut prendre mesure. Bénis-moi, pauvre riche, ta santé ne doit plus jamais subir la crise. Merci beaucoup. Merci de me remettre le micro. Est-ce que vous le connaissez? Vous le connaissez? Bon, il va se présenter à vous. Hein? Je m'appelle... Je m'appelle Renoir Porinette Di Alève. Ah non, non, reprends-moi ça. Moi, je m'appelle Renoir Porinette Di Alève. Alève? Oui. Tu fais quel rythme? Moi, je fais un rythme Toba. Toba, c'est quoi? C'est Toba, bon, c'est le rythme. Il s'appelle Toba Ranyé. Tu ne comprends pas bien, mais il s'appelle Toba. Toba Ranyé? Oui. Il faut me fredonner une de tes chansons, là. Allez, doye, kambi, ominana, sinton, hein. Assez? O kambi, ode, oué, 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 nana, sinton, midi. Et ils sont nous jagodo à Kuruno. Bon, nous les sous jagod à Kuruno, Bédo, et mes willes bini, ou des baïs, ou est soccer. Mi mes willes, mais à Kuruno, n'en sauve que j'ai nous consonne, ou quoi, nous quoi. Eh ya? Hein? Bon, nous n'y avons le temps, mais bon, ils sont nous, n'y avons pas, on a zéro que j'ai nous. Et la tienne, oui. Ta main ton jen on wenga. Loto mi chere chere teme wa kwa de simbo. Sunu e ma wuna so kwa keje nukon. No to do we. Teme a de simbo. Mi me sunu jen ma wuna so kwa keje nukon. Me inde we no no aga. Ay voa. E na chen we. Ti me kwa ton di e ase. Besi ek bedi yon. Yon nou le. No mi ton le we akulu no so kwa keje nukon. E na chen we alevi. E na chen we. E ne. Allez-y, donnez-y. Les noyés bandiers. Assez. Et d'a situé Zerwedi. Sans ma canaoué boito, mais bobolo, à sa tombe, à quoi, n'ouvre mes gens, minonakani. Et n'a l'écho, et n'a l'écho. Ouais, mais assez canoïto, mais dit on dit balabolo, son loco, à wa huebo, kando, homena, si vous comptez bien. Où doit-il y aller? Hein? Dans le bon. Les noyés bandiers. Mime, son nous l'air. A check quick bade de bominon panu yon le dinatin wome bad naduto. Eye ja hwe so kebi a da kuluno gongbeo. Ma yinda lowe no ke. Ulo no do. Ma uwo bi yo ea. De mi me sunu le no da check pa webo.
Singboe et non pawe in Bedouba, Mina Bonofit in Kaka, Mena Yukebona Yua Kete or do Memetin Fair. Anywhere ka in Bedoubu Bedo. O de anywhere in Bedoubo. I jewek beba siwe kun do ebo. Ademi Jack Bedu Hagwell, my son who creeped you, where they were so as us in there, I able bed to the middle, they were high as in. O when where do I can't do a bodo? When you had a son who creeped me well, when they had a tobo, where do can't do bed, Leo, Eco, where so can be a whole fear, Kuno so where can on Nunde or name. Eh, Yavia, eh, no more. Eh, oh, I love you, I know. I know. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement béninois, le docteur Yaï Boni, est inlassable parce que tout à l'heure, vous étiez avec lui pour l'inauguration de des tours jumelles, vous l'avez dit il y a un instant. Et puis juste après, il s'est retrouvé à l'ORTB pour son message à l'endroit du peuple béninois, de la nation béninoise. Et demain matin encore, il sera au défilé que vous êtes en train d'annoncer en ce moment. Voilà. Un fils digne du Bénin, un fils inlassable, bâtisseur de toute la nation. Tu sais, non. Tu sais qu'il y aura des problèmes demain. Ah non. Celui qui viendra prendre la place de Yaï Boni là, c'est pour lui que Yaï Boni est en train de créer des problèmes. Parce qu'il va mettre la barre tellement haute que... Pour la relever encore. Il faut que celui-là travaille vraiment comme lui, quoi. Parce qu'il est infatigable. Infatigable. Il n'a pas ou pérenni, quoi. Dis ça en dindi. Abagabo a c'est qui m'a fait. Dis ça en bâtonou. Kako Sensia Gia. Dis ça en Nadia. C'est ça. Et n'avait ou quoi dit? C'est ça. L'orchestre est en train de s'installer. Doku. Et je vois Fifi Fender. Arrangeur de son état. Tout à fait. Guitariste. Un garçon pointu dans ses œuvres. Non. Fifi Fender. Le grand des grands. Quand on parle de la guitare au Bénin, je le compare à Valette Gontran, je le compare à l'autre Fifi du Polyrythmo. Il faut dire que c'est notre Dibolo Dibala. Ah non. Non, il ne faut pas appeler ce nom-là ici. Fifi Fenda. Fifi Fenda et Fifi Fenda. Point barre. Dibolo Dibala, ça c'est là-bas. Point barre. C'est sans commentaire. Ok, est-ce que l'orchestre est prêt? Ah, le voilà! Voilà le saxophoniste. Et il est là. Nous sommes en direct, s'il vous plaît, sur deux chaînes de télévision. Bien sûr. Nous on peut y annoncer. On attend que vous. Et avec la télévision, c'est les images, c'est le temps. Bien sûr. Donc, les réalisateurs sont impatients. Je voudrais saluer encore une fois les deux réalisateurs de cette soirée, M. Tonon et l'autre. Tout à l'heure, je vais vous donner le nom. C'est bon, on y va. One. S'il vous plaît, même s'il faut faire... Si vous faites un instrumental en attendant, commencez parce qu'on nous regarde de partout. On nous regarde de partout. Voilà. Allez-y. Spécial aux enfants Ayron, Doria, Auguste, Coco, Péroline, Gérode, Sergine, la première dame, David, pourquoi pas, et leur maman. Oui, tout à fait. Raki Agbaza Fifa. Thank you.
Est-ce que nous n'avons pas des valeurs au Bénin? Est-ce que nous n'avons pas les valeurs au Bénin? On va l'applaudir très, très, très fort, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Ça va? Je peux continuer? Madjadia. Mandanouan. Mabaya. Je sais que si je lui demande d'arrêter, je vais faire beaucoup de mécontents, mais le temps qui nous est imparti tire dangereusement vers sa fin. Ouais. Et je vais... Non, c'est ce que je disais. Non, j'ai enlevé ton truc, mais non, attends. Alors, merci de l'applaudir encore une fois. Merci, merci. Merci. Un Béninois du Septentrion. J'ai appris quelque chose récemment quand j'étais à Parakou, et c'est le maire de Parakou... le président de la NCB, M. Soulé Alapé, qui m'a appris ça. Quand, avant, on parlait des baribas. Mais aujourd'hui, ça a changé parce que quand c'est un seul bariba, on parle de bâtonnou. Quand ils sont nombreux, on parle des bâtonbou. Tout à fait. Donc, je salue tous les bâtonbou qui nous suivent en ce moment, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Et celui que nous allons vous présenter est justement bâtonnou. Il a choisi de moderniser le teke que vous avez suivi tout à l'heure en ajoutant des sonorités modernes, comme on dit, accepter la tautologie. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin parce que, en fait, lui-même, il est d'abord formateur, parce que professeur de musique, il vous apprend la guitare, le clavier. Il a fait pendant des années au Centre culturel français, il a ouvert son studio en ce moment. Et... j'ai suivi Bobo Dela amené en France récemment, où il a presté dans une boîte de nuit. Ça a été un succès fou. À partir de lui, on a connu encore le Bénin. Mais aujourd'hui, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a voulu que ce jeune Béninois vienne nous apporter ce qu'il sait faire. Voici, Jolidon Lafia. Jolidon Lafia! Salam aleikum. Salam aleikum. Oh, salam aleikum. Salam aleikum. Oh, salam aleikum. Salam aleikum. Oh, salam aleikum. Mbaba manso wa usedona.
Oh.
Ok, ok. Louis Asogba, la sound, à Ketou, le 10 prochain. Merci. Merci d'ouvrir mon micro. Mon micro. Merci beaucoup. Je n'entends rien, Louis Asogba, je n'entends rien. Ok. Chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, la fête continue ici, sur l'esplanade intérieure du Stade de l'Amitié. Eh bien, vous avez vu cette apparition éblouissante, cette démarche princière. Elle nous arrive de très loin. Ça fait quelques années, elle a commencé par chanter avec les orchestres. Aujourd'hui, elle s'affirme. Oui, elle s'affirme dans le monde musical béninois. Une voix cristalline, une voix qui va dégeler les cœurs les plus endurcis. Voici tout simplement Ramou pour les intimes. Every time I remember sacrifices you have done for me, and I saw time to feel very sad. Oh, but I we
Bonsoir Amou. Bonsoir. Célibataire sans engagement. On va l'applaudir s'il vous plaît. Merci infiniment. Alors nous allons continuer avec une autre voix féminine. Ouais, une autre voix féminine. Et je voudrais vous dire que cette jeune dame que nous allons vous introduire, elle a choisi la chanson comme moyen d'expression culturelle. Mais il faut dire quelque part qu'elle a connu tellement de déboires, de mésaventures qu'aujourd'hui, elle a un cœur de mère. Elle donne sans compter, elle a le cœur sur la main. Elle, plus charitable que cette dame, tu meurs. Et bientôt, elle sera à l'état-major pour offrir un spectacle aux militaires. Le 7 prochain, le 7 août. Mais avant, elle est ici dans la nuit pour fêter l'indépendance avec nous. Son nom est assez évocateur. Son nom est assez significatif. Voici la belle, la charmante et la rigoureuse Espoir. On jouera maman
tu t'en danses, on s'aimera pour la vie. Oui, chérie, si t'accord, toi et moi unis pour la vie. Oui, bébé, si t'en danses, on s'aimera pour la vie. Même où l'on, chérie, si t'accord, toi et moi unis pour la vie. Oui, bébé, si t'en danses, on s'aimera pour la vie. Oui, chérie, pas de toi et tu es mon espoir. Merci. Espoir, on va l'applaudir encore une fois. Redonne-nous Alain à Rove Camus à Rove Bob. Votre papa, il est en détresse, il est là, il vous attend. Venez le rejoindre s'il vous plaît. Redonne-nous Alain à Rove Camus et à Rove Bob. Chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, excellences, monsieur le ministre, je le disais en intro, voici quelqu'un qui est né en même temps que le Bénin. Il est né le 1er août 1960. Un adepte du Tchèng System depuis les temps immémoriaux, Toron Stan a commencé par ajouter des sonorités modernes au Tchèng Koumen de Savalou, de Colline Verdouin de Savalou. Lui aussi s'est mis à son école. Aujourd'hui, il gère un patrimoine qui est tel qu'il a la possibilité d'envoyer nos artistes en France prester et revenir. Il l'a déjà fait avec plus d'une dizaine d'artistes. Il a un programme très large pour eux. Et en somme, nous allons dire bon anniversaire au Bénin. Bon anniversaire, Bobo D, président du CEBACEM. Merci. Bonsoir. Bonne fête. Dano I Petoya, un doso genanti, pendo podo po si suvive no ato ero. Matupesu wo, so adano I Petoya, un doso genanti, pendo podo po si suvive no ato ero. Dano I Petoya, un doso genanti, pendo podo po si suvive no ato ero. Matupesu wo, so adano I Petoya, un doso genanti, pendo podo po si suvive no ato ero. Ajolo nde un, se malo ave no bioi, ena wawa. Ajolo nde un, se malo ave no bioi, ena wawa. Ajolo nde un, se malo ave koko.
beto ma mume o ma jato ma kale ibesi o besu enele ayon agolo beto. Très fort, s'il vous plaît. Bobodé, mon ami de Parakou, merci infiniment. Je vous ai dit, nous serons ici en train de faire la fête. Et quand il va sonner 8 heures, nous allons nous déplacer vers la place des Toits Rouges pour suivre le majestueux défilé. Je vous l'ai dit, nous avons des artistes qui attendent en coulisses. Nous avons aussi des animateurs qui attendent. Et puis, tout à l'heure, notre frère Stan Delors va reprendre du service. Mais avant, je voudrais quand même Bourousman ou Adjima ou Siba Franco Junior ou Nadi Nadi. Oui, pourquoi pas. Tout à fait. Nadi Nadi. Nadi Nadi. Où elle est, Nadi Nadi? Nadi Nadi. Nadi Nadi. Nadi Nadi. Elle arrive. Nadi. Nadi, elle est une chanteuse. Hein? Nadi. Et Dean est un chanteur. Hein? Dean Aremu. Et Dean est le mari de Nadi. Hein? Ah. Et c'est un couple chanteuse-chanteur. Et tout sonne, tout rime en I. Ah oui, comment? Dean, Nadi, Nadi. J'attends un des artistes du Septentrion. Adjima. Bourousman, Siba, Nadi Nadi, Dean Aremu.
Ou alors on va dans Sazomé rencontrer la reine du Goumbé. Pourquoi pas? Adjima est là. Ah, Adjima est là, voilà. Lui, il est né, Adjima. Il est né vendredi. Adjima. Adjima. Avant, c'était Ouru Yacinthe. Maman, mais maintenant là. Maintenant, c'est Adjima. Parce qu'il est né vendredi. Ah, ça, je ne sais pas. Oui, c'est ça, je t'informe. C'est dans quelle langue? C'est dans sa langue, c'est le Kutukuli. Prends le micro. Chante-nous quelque chose de percutant. Tirempo et à la fois pour la bien bandica piano nina yo. Ayamar baba gerna on yodano cane on delba. Kalma popola ya wanganga jien cheng nusalo mama. La nicheribe nubie kite yere yere damba. Bonsoir Cotonou. L'enfant est un être cher. Quand on voit les péripéties depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, de l'allaitement jusqu'à l'âge adulte. Mais n'oublions pas que c'est lui l'avenir, le futur président de la République. Oui, n'oublions pas que c'est lui l'avenir, le futur président de la République. Yeah. Sous nous, nyon nous. Mike Klein Boulibo nous vimitons l'air. Sous nous, nyon nous. Mike Klein Boulibo nous vimitons l'air. Vite, vie ma tonti. Mike Klein Boulibo nous vimitons l'air. La maltraitance d'un enfant est un crime contre l'humanité. Levons-nous, disons non à l'enfance malheureuse. Sous nous, nyon nous. Mike Klein Boulibo nous vimitons l'air. Quand je vois des enfants qui sont abandonnés à leur propre sort, quand je vois des enfants qui sont obligés de quémander pour survivre, ça me rend malheureux, ça me rend soucieux, ça me rend malade, ça fait même mal. Dis-toi que l'enfant que tu as conçu ne l'a pas demandé. Il faut que tu apprennes à assumer tes responsabilités. Hey, hey! Konya suru de nako hey mamona nika koto. Konya suru de nako hey mamona nika koto en chibor. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à avoir un enfant. Malgré leur fortune, ils ne parviennent pas. Ils vont dans les hôpitaux, les négliger, chez les marabouts. Mais toi à qui Dieu a fait ce beau cadeau, tu l'as négligé. Un enfant, c'est le plus beau cadeau de la vie. Merci, merci de bien éduquer vos enfants. Car l'enfant, c'est le plus beau cadeau de la vie. Et ça, c'est le cadeau que moi, je vous offre. Cotonou, merci. Merci, Adjima. Merci. Jean-Louis Azé. Adjima. Adjima. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bah, nous allons relancer la troisième phase de ce spectacle, de cette nuit de l'indépendance. Tout à fait. Animé par les artistes béninois. Je voudrais dire merci à vous, public, qui avez accepté d'être là jusqu'à cette heure-ci. Je vous rappelle que c'est une partie de la fête qui commence. Nous allons recevoir encore plus de 50 artistes ici, maintenant. On va rester jusqu'au petit matin. De toute façon... 22. 12. De toute façon, la fête sera très belle, la suite sera très belle. Je voudrais aussi dire merci à Claude Balogon de Gangan Productions qui nous permet d'immortaliser cet événement à travers la couverture médiatique. Mesdames et messieurs, vous les voyez déjà installés juste derrière moi. Ce sont des musiciens béninois, 7 bons musiciens. Quand on les voit sur scène, je ne voudrais pas faire une comparaison, mais on se rappelle un peu du groupe Gangwe Brass Band, l'international. Ils sont impeccables. De toute façon, dès qu'ils vont démarrer, vous aurez le temps de les apprécier, de les adopter. Nous allons applaudir, mesdames et messieurs, et permettre au groupe Alestone de nous tenir en haleine. On va les applaudir, s'il vous plaît. Alestone. Thank you.
Tout le monde
Tcha, tcha, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tapez les mains. Hey. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tapez les mains. Hey. Tcha, tcha, tout le monde, tout le monde. Tcha, tcha, tout le monde, tout le monde. Tcha, tcha. Encore une fois. Le message est bien passé.
Nous disons non à la maltraitance des enfants. Et c'est bien avec le groupe Alestone que je vous prie d'applaudir très fort, mesdames et messieurs. On va les applaudir. Non à la maltraitance des enfants.